Dans cette tranquille bourgade croate, la scène était devenue habituelle. Ce jour-là, près de 2000 migrants descendent du train, à pied, direction la frontière hongroise. Ils font partie des derniers à emprunter ce passage. Depuis, la Hongrie a fermé sa frontière avec la Croatie. Bayrak arrive tout droit de la ville de Sueda, au sud de la Syrie. Le jeune ingénieur a fui les combats, aux côtés de son père et de deux amis. Plus que quelques centaines de mètres avant l'espace Schengen, pour Bayrak, le voyage a été périlleux. Pourtant, il appréhende le passage de cette frontière. On a entendu beaucoup de choses à propos de la Hongrie. On a vu cette journaliste qui a donné un coup de pied à un Syrien. On a aussi vu beaucoup de vidéos où la police attaque les migrants. Fin septembre, le premier ministre hongrois a autorisé la police à employer la force si nécessaire. Après la frontière serbe, il ordonnait également la construction d'une deuxième barrière de barbelés, ici, le long de la Croatie. C'est ça la frontière, non ? Ok. Je pense qu'ils vont être gentils. Enfin, j'espère. I hope so. Comme tous les autres, Bayrak ne verra